Hello tout le monde, c'est Evangel et on se retrouve aujourd'hui sur un best-of de Skyrim. Alors êtes-vous prêts à vivre des conneries? Oui? Non? Je m'en bats les couilles de toute façon. C'est parti! Aujourd'hui dans Skyrim, il fait beau. Vous pouvez observer ce ciel magnifique de bord de ciel. Vivez cette magnifique ambiance. Ressentez cette joie en vous. Ah là là, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça réchauffe le cœur. Oh, un loup au loin qui nous hurle dessus afin de nous rappeler que nous sommes en milieu hostile. Ah là là, quelle grosse ambiance! On se promène dans... Bah on sait pas en fait, hein, dans un truc chelou, tout noir, tout gris, tout moche. Attention, je suis armé! Putain, petit j'ai enlevé. Steve! Oh bah tu bouges même pas, tu me l'esquives. Non, Tomoe, non, à moi! Il est à moi! Non, Tomoe! Non! Salope! C'est l'heure du duel, sale morveux. Headshot! Hell yeah! Sérieux, Daka? Allez, hop! Vous avez les trickshots de livres que je fais, moi, je suis un thug de la street, bien sûr. Hell yeah! Excusez-moi, c'est encore une fois mon frère, putain, mais à chaque fois il me nique mes best-of, t'enculé, hein! Va attendre la base, pute! Bandit! Ferme ta gueule, Tom. Mais Tomo est là! Badadada! Ok, mission impossible! Mission accomplie, Johnny. Hop là! Pourquoi j'ai dit des fleuris? J'en ai aucune idée. Oh shit! Ouf! Tcha! On l'a peut-être un petit peu raté. Quoi? Putain de serpent volant de dragon de merde! Saloperie! Regardez-moi cette merde, quoi. Bon, c'est classe, mais c'est de la merde, quoi. Un léviator volant, quoi. Le pire à l'ancien, là. Le pire doré au four. Ou alors, pizza doré à la pierre au four. J'adore la pierre chaude, comme ta mère. Ta mère elle est chaude. Quoi? C'est ta mère qui recule. Elle est chaude. Oh putain! Nécromancien! Ah! Ah! Je n'aime pas le nécromancien! Ça s'appelle la classe. Waouh! Ta dernière heure est arrivée. Exactement, squelette. Vas-y, Tomoe. What? C'est quoi ce combat? Ma maman l'a dit, c'était pas bien les combats épiques, parce qu'après tu peux te faire des bonbons de tes charmes. Ah, oh shit, oh shit, oh shit. Dragon, tu vas te calmer tout de suite, parce qu'on va pas être copain. Moi je suis venu en paix, d'accord. Moi je dis rest in peace, oui tu vas crever, mais bon, pas tout de suite, attends. On va encore attendre un tout petit peu. Oh shit. Sois l'Arc Dreamer, vas-y, focus. Ken. Putain, est-ce qu'elle lui met? LOL! Ça va, t'es pas trop cheaté toi? Non, trois coups, y'a plus de dragon, oh, y'a pas de cheat là, non! Donne-moi ton âme! La puissance rentre en moi! En fait, c'était pas si terrible. Vous aimez Rayman? Moi, j'adore Rayman. Que voulez-vous me donner? Ma bite dans ton cul. Oh non, c'était trop facile cette vanne. À chier, c'était pourri. Ta gueule, t'emmerdes. Ma grand-mère, elle te dit la même chose. Tout le monde t'emmerde, ok. Tout le monde t'emmerde. Mornifère, passe dans Mornifère. Il fait pas chaud. Non, c'était de la merde. Ja! Oh! Ja! Oh! Ja! Oh yeah! Ja! Oh shit! I am PG off. 42 du 56. Yeah. Oh shit! Come on, let's go! Pokémon, à l'attaque! Game up. Coup critique, c'est super efficace. Boobs Fury. Oh putain de merde. J'en connais un qui aurait un petit peu badé dans cette situation, si vous voyez de qui je veux parler. Toi, tu peux pas connaître, t'es pas dans notre monde. Tu ne connais pas YouTube, tu ne connais personne. Mais avouez qu'on le connaît tous.
Ouais, je pense qu'il aurait badé, mais je vais pas reprendre son truc, sinon il y a des gens... Ah, tu plagies Bobby. Ah, tu plagies de la nonne. Ah là là, tu plagies le fils de Bob Marley et puis de John Lennon. Oh l'enculé. Et oui, si tu fusionnes John Lennon et Bob Marley, ça fait Bob Lennon. Ah, personne n'y avait jamais pensé, mais moi, j'étais là pour y penser. Non mais en fait, ça peut s'expliquer, hein. C'est qu'en fait, j'étais en train de danser la Macarena. Et puis d'un coup, j'ai fait un saut plongé sur la chaise. Et là, il y a eu un accident en fait. Je suis tombé sur le rebord et je me suis pété les côtes et je me suis étouffé. Alors, les Talmors, vous voulez comprendre pourquoi dans votre nom de regroupement d'elfes de merde, il y a le mot Talmomor? Tu veux le comprendre? Eh ben moi, je vais te le faire comprendre. Je vais vous tuer jusqu'au dernier, et je vais en faire un gros tas de déchets immondes que vous êtes, bande de tas de morts dégueulasses. Alors, ça vous mène à mort d'apprendre ça? Je vais t'écraser, je vais vous annihiler, bande d'arrogants de merde, d'elfes. La con. Alors, vous ne valez même pas. Oh, oh, oh putain. Ah, oh non, non. Waouh. Ah. Ah. Oh, pote, pote, pote. Tu kiffes le pote, pote. Le dat ass, pote, pote. Le pote, pote ass. Vous voyez, des poulets, c'est des pote, pote. C'est des pote, pote ass. Double pote, pote ass. Excusez-moi. Attends. Oh shit. Je ouais, c'est possible, je suis une grande star et tout, t'as vu? Faites attention. C'est pas moi, c'était mon grand-père. Bandou, n'aime ou pas n'aime? On s'en bat les couilles? On se retrouve, mon petit coucou, mon petit chouchou tout chauve. Je te casse encore ton petit crâne. Ouh oui, ouh, il est mignon le petit chevalier. Ah oui, il est mignon le petit guerrier. Ouh, oh, le ton mignon. Ah oui, oui, on lui crasse le crâne avec l'assiette. Oui, on lui fait le crâne tout lisse, tout lisse. Ah oui, t'es une arme, oui, oui. Doudou. Pointez-moi vers l'ennemi. Pas aimé mon petit crassage d'assiette? Mais c'est pas possible! Je l'ai déjà dit il y a... Wouah! Le garde de Vakin! Mais là... Non! Comment tu viens de me calmer d'un coup? Mais non! Je voulais encore te faire le... Et comme il est choqué, là, mais genre... Putain, il m'a pas fait le coup de l'alcool! Non, parce que dans chaque best-of, je fais le coup de... Mais putain, espèce d'alcoolo de merde et tout! Mais je l'agresse avec sa bouteille de vin et tout, mais... Wouah! Là, il m'a trop... Ah, il m'a trop surpris! Putain, cette fois, c'est lui qui m'a trollé! Attention. What the fuck? Wouah! C'est bon, De ta femme. Oh, pas ce truc là, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est... Ah, ta garde. Ta garde, j'imagine qu'elle garde d'autres bijoux que ceux que t'as autour du cou, mais. Ou autour de la tête, mais bon. Enfin, c'est pas ta femme officielle, on va dire. C'est ta bêtise de compagnie. Ouais, ça fait plaisir. Je parle tout seul, mais ça fait plaisir. Hein. Connard. Bonk. On a rien à foutre quoi. Oh, le chandaillant du hier du. Ouais, non ouais, oui, moi non plus j'ai pas compris ce que je viens de dire. Une pomme, qui veut une pomme? Pam pam balapam pam. Tiens, 5 fruits et légumes par jour. C'est pour ton petit crâne? Ouais ouais ouais. T'es pour ton petit crâne, ton mignon, pour vous. Je commence à être malsain hein. Oh yeah, yeah, viola la carotte. Oh, tu t'étais jamais pris une carotte dans le cul, hein. Tu me regardes toujours avec ce regard désespéré, mais tu sais très bien que je raconte des conneries derrière mon écran. Tu le sens, tu le vois, tu le ressens. Et tu sais aussi que tu viens de te prendre une carotte dans le cul, mais tu continues à boire ta petite pinte de bière. Je ne suis pas un homme. Allez, tiens. Je suis une arme de forme humaine. Sortez-moi avec une pomme sur la tête et un crâne chauve et une carotte dans le cul, ouais. Mon père dit que je suis trop petit pour manier l'épée. Alors je m'entraîne avec mes poings. Tu te mets dans le cul? Tu te fais des fistes? Tu vas à la fistinière tous les soirs? Piti, coquin, dégueulasse. Je suis le chambellan du Yarl Balgrand. J'ai un bol sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop de svage en moi. J'ai la svagitude.
Je suis un grand fan de bols. Moi, quand je mange mon pain, je me mets des bols sur la tête. Oh yeah. Et petit, tu veux un bon truc à manger? Bouffe du rat. Putain. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire? Eh hey, DJ, même pas tu me parles, on vient même pas de la même région. Moi je viens de Angola. Et toi tu viens d'où, hein? Espèce de connard de raciste. Parfois la vie de soldat me manque, mais quand je tiens ma fille. Eh hey, DJ, hey, qu'est-ce que je te dis? Je t'ai dit de fermer ta gueule. Tu me casses les couilles avec tes conneries, hein? Je m'en bats les couilles, hein? Tu vas arrêter, moi je me casse, j'en ai marre, hein? Ouais, tu m'as cassé les couilles, hein? Je suis noyé dans 2 mm d'eau. Ferme ta gueule. Alors, joue aussi invincible. Talos, mes couilles. C'est sa grand-mère. Bonjour monsieur le pompier, bon vous voilà enfin. Alors je vais vous amener jusqu'au problème de tuyau là, parce que vraiment il y a encore un connard qui a tout pété. Je sais pas ce que c'est que ces conneries, mais vraiment il y a toujours des trucs chelous dans cette maison. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Non mais je vous dis, depuis quelque temps il se passe des choses bizarres, hein. Je comprends. What? Nous voilà dans la gorge du monde. Pénétrons à l'intérieur de cette gorge. Pour lui faire une gorge profonde. Oh non, c'est dégueulasse. Salut, Pantutu. Bonjour, Wodonik. Tu veux un menthol? Parce que là, disons que tu pues de la gueule, hein. Ça pourrait être méchant, je te jure, mais là. Mais s'il te plaît, bouge un petit peu là, t'as vraiment une haleine de dragon. Oh non, j'arrête les bacs de merde. Non. Oh, père, vous êtes enfin revenu de votre voyage. C'est une bonne nouvelle. Alors, comment s'est-il passé? Et voilà, ce Best of Skyrim est terminé. Vous pouvez laisser un j'aime et la partager si vous avez aimé cette vidéo. Ensuite, vous pouvez carrément vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et que vous avez aimé mon travail exceptionnel et grandiose. Non, je déconne, évidemment. Voilà, on va pas non plus faire le gars calmelon et tout, ça repogasse bien sûr, t'as vu si bien sûr la famille. Et bref, à plus tout le monde et à la prochaine. Ciao! Hello tout le monde, c'est Evangel. On se retrouve aujourd'hui sur un Skyrim Aventure. Et tout simplement, on lag comme un gros porc, voilà. Mais avant qu'on lag ou qu'on continue à laguer comme un gros porc.